Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle du module Shelly 1, mais je vais surtout vous parler de la connexion H1-H2 du routeur Arson pour pouvoir faire chauffer le ballon d'eau chaude pendant les heures creuses ou à tout moment, au moment où vous décidez, mais surtout pendant les heures creuses lorsqu'il n'a pas eu assez de surplus solaire pour chauffer la journée. Donc, on va d'abord se diriger vers une prise électrique. On est parti. Donc, Aujourd'hui, je vais vous montrer comment euh, connecter un module Shelly. Première chose, pour le brancher, il faut absolument ne pas inverser la phase et le neutre. Ça grillerait le module. La première fois que j'ai branché un module domotique, où c'est impératif de mettre la phase sur la phase et le neutre sur le neutre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être inversés, c'était sur cette prise. Cette prise, l'électricien qui me l'a branché avait mis. Donc il y a une norme en fait, hein, vous voyez, la terre est en haut, le, le neutre doit être à, à gauche et la phase à droite. Voilà, ça doit être comme ça. Et en fait, lui, il est connecté à l'envers. Alors, pour brancher un aspirateur, pour brancher un appareil ménager, pour brancher tout type d'appareil d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci, ça cause aucun problème. Sauf que pour brancher un module domotique où il faut absolument que la phase soit au bon endroit et le nôtre aussi, et eh bien moi ça m'a grillé mon module. Donc j'ai démonté cette prise, j'ai vu que ce n'était pas la norme, enfin c'était pas comme ça, ça devait être connecté, puisqu'il y a une norme à la base. Euh, et donc, je l'ai remis comme il faut, et ça c'est ma prise, euh, ma prise, on va dire, test. Voilà, je suis sûr celle-ci, elle est branchée comme il faut. Voilà. Parce que si, après vous allez voir plus tard pourquoi, je vous dis ça. Voilà, je la remonte et puis je vous reprends. Donc, pourquoi je vous explique pour cette prise Pourquoi faire attention C'est pour pas que vous grillez votre module. Pourquoi Parce que par défaut, moi j'utilise, pour tester mes modules, comme ceci, j'utilise un câble de PC, un câble d'ordinateur, un hein, des câbles qu'on trouve un peu partout maintenant, le câble 3 euh, broches pour mettre dans le PC, et là la prise standard française et chulco aussi, donc européenne. Et par défaut, sur ces câbles-là, le neutre est à gauche, la phase est à droite, comme ceci, quand on la met dans la prise. Ce qui fait qu'on retrouve le schéma que je vous ai montré dans ma prise là-bas. Si jamais on inversait, ça serait pas super grave. Mais en attendant, enfin, ça ne serait pas super grave pour un aspirateur, pour un frigo, pour un appareil qui, est, qui peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on lui inverse, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ce qui est des modules qui, eux, ne supportent pas l'inversion, eh bien le fil bleu qui est le neutre est à gauche, le fil marron qui est la phase est à droite. Et donc comme ça quand je vais le brancher dans ma prise, je suis sûr de ne pas griller mon module. Voilà. Donc en attendant, pensez à ça. Ces modules, eux, c'est bien noté. Voilà. Phase et neutre. Alors le petit plus et le petit moins, c'est si vous les vous alimentez en 24 volts ou 12 volts. Donc là, évidemment, 12 ou 24 d'ailleurs. Là, évidemment, c'est pareil. Le plus est important, le moins est important. Voilà, il faut respecter ça. Là, en attendant, moi, je vais le connecter en 220. Donc en 220, j'ai vérifié que ma prise, elle est bien brochée pour brancher un câble comme ça. Voilà. J'ai mis mes fils tout simplement dans la phase, dans le L, le neutre, dans le N. Voilà, tout simplement mis dedans, vissé dessus. Voilà. Évidemment, faites attention. Avec précaution, n'allez pas toucher les vis quand il s'est branché, parce que ça veut dire qu'il y a le courant. Donc, faites bien sûr, bien sûr très très attention. Moi, je les teste comme ça, mes modules, parce qu'une fois qu'on les a mis dans les tableaux, derrière les prises, etc., si c'est là qu'on s'aperçoit qu'il ne fonctionne pas ou qu'il faut intervenir dessus pour les, 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 à la domo, les lier à la domotique, ou voilà. Euh, moi, je préfère faire comme ça. Je le mets sur le Wi-Fi ou, ou sur le sur le Z-Wave pour mes Fibaro et une fois que je suis sûr qu'ils fonctionnent là après je vais les mettre là où ils doivent aller voilà donc on prend un câble, la terre il n'y en a pas besoin il faut juste la phase et le neutre on le branche, on le vis proprement bien comme il faut, on le pose voilà et une fois que c'est fait seulement une fois que c'est fait donc là c'est une rallonge qui vient de la prise que je viens de vous montrer parce que c'est ma prise du coup test je suis sûr que celle-ci elle est toujours bien branchée euh, donc du coup, là, je peux brancher mon module. Voilà. Et là, ça y est, mon module est alimenté. Alors là, on peut voir qu'il y a bien 230 volts. Normal, le courant arrive. OK. Donc sur le N, le neutre. Sur le L, la phase. Sur le SW, c'est pour l'interrupteur. Mais là, du coup, on ne s'en sert pas pour ce qu'on veut faire. On ne va pas mettre d'interrupteur puisqu'il y a déjà un interrupteur marche forcée sur le harson, donc ça sert à rien d'aller mettre un interrupteur ici. Voilà, donc on ne s'embête pas avec ça. Et par contre, on peut constater que à côté, il n'y a pas de courant qui passe. Voilà. Si je passe sur contact, donc là ben, il n'y a pas de contact non plus, parce que pour moi il est. L'interrupteur est fermé. Alors, j'ai amené l'iPad pour pouvoir l'allumer, l'éteindre, pour que vous vous rendiez compte. Donc déjà. Si on écoute bien, on l'entend claquer. OK, donc là il est éteint. Entre 1 et 0, il ne se passe rien. Maintenant je l'active. Maintenant si je regarde au niveau du contact, là il y a contact. Contact sec. Si je regarde au niveau de l'électricité, Je ne suis pas bien sur, sur l'électricité. Voilà, n'étant pas en face, c'est pas facile. Voilà, nous avons zéro. Ok, donc c'est un contact sec. Ça, c'était juste pour vous montrer que nous sommes bien sur un contact sec, c'est-à-dire un contact où il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est important. Le harson, il ne faut pas d'électricité dans H1 et H2. Donc là, maintenant, on a notre module. Wi-Fi euh, Shelly. Donc, moi, c'est pas ce que j'utilisais, mais euh, ma domotique Fibaro est être un peu plus propriétaire, c'est-à-dire euh, tout le monde n'a pas une box domotique, n'a pas de module Fibaro. Donc, euh, je suis parti sur quelque chose de plus standard pour vous montrer. Donc, voilà, un module Shelly, c'est le Shelly 1. C'est euh, est le moins cher d'ailleurs, hein. c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc, là, on constate qu'il y a le petit nuage qui est là. C'est-à-dire que le cloud est activé. C'est-à-dire que là, on va pouvoir l'activer à distance, depuis n'importe où, avec un smartphone ou à autre chose, d'ailleurs Internet, par Internet. Pas de souci. Euh, moi, j'ai fait des scènes comme ça, et en cloud, ça marche. on les voit, les scènes ici. Ah non, on ne les voit pas. Vous ne les voyez pas, mais vous allez les voir. De toute façon, après, je vais vous faire des captures d'écran pour que ça soit plus, plus aisé pour vous. Donc ici, active le cumulus. Arrêt du cumulus. Donc là, ces scènes fonctionnent parfaitement et je vais vous montrer comment les faire quand on est en cloud. Par contre, euh, j'ai eu un commentaire, une personne qui m'a dit que ça fonctionnait même sans le cloud. Moi, dès que je désactive le cloud, les scènes ne fonctionnent plus. Les scènes un peu compliquées. Si c'est juste on-off, là encore, euh, ça fonctionne et encore pas tout le temps. Par contre, euh, dès que je fais des scènes un peu avec des conditions, là sans le cloud, ça ne marche plus. Donc, moi, pour le, moment, je, pour le moment, je vais vous montrer comme ça. Ça permet quand même d'avancer. Mais sachez que là, ce que je vais vous montrer, sans Internet, si vous n'avez pas Internet, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, je dis bien, pour le moment, j'approfondis. Mais euh, comme moi, j'ai Home Assistant, Home Assistant est tellement plus. On fait tellement plus de choses avec Home Assistant et comme il est gratuit en plus. C'est pour ça que euh, moi je préfère un assistant. Mais je vous montre, je vous montre quand même avec Shelly, puisque l'application est gratuite aussi et fonctionne avec les modules. Donc voilà. Donc voilà pour le module. Donc là vous avez vu c'est un contact sec. Et donc en fait il va falloir connecter la borne 1 ou 0, peu importe. Là du coup il n'y a pas de sens. Vous mettez le 1 sur H1 ou sur H2. Et le 0 sur H1 ou sur H2, il n'y a pas d'importance. Vous pouvez mettre l'un ou l'autre. L'essentiel, c'est que H1 et H2 soient reliés sur 0 et 1 ou à 0. Il n'y a pas de sens, puisque ça s'appelle un contact sec. qui vient juste faire contact et donc activer la, la chauffe pour pour les heures creuses, enfin pour les heures creuses. Pour l'heure, vous allez le mettre, voilà. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour faire une scène pour activer aux heures où vous voulez. Le, le ballon pour la nuit. Ok, donc pour ajouter le module, moi je vais ajouter un module, un, un autre module, puisque le module Shelly 1, je l'ai déjà ajouté. Et moi j'ai un Wi-Fi un peu spécial avec des protections et autres. Donc pour un Wi-Fi standard, je vais vous montrer avec un autre module, mais les, la démarche est la même. Donc quand vous avez installé l'application Shelly, ça ne pouvait pas vous tromper. Vous allez que ce soit iOS ou euh, Android sur la tablette ou le smartphone. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est Shelly, il n'y en a qu'une. Donc là, quand vous êtes dans l'application, oui, il y a déjà mes modules à moi qui sont déjà plusieurs qui sont installés. Là maintenant, nous allons euh, donc ajouter le module. Pour ça, il faut aller sur les trois petites barres en haut à droite. Ensuite, vous faites Add Device. Là, il vous demande votre Wi-Fi. Donc là, moi, c'est mon Wi-Fi test. Euh, là, vous voyez, il me dit only 2.4, c'est-à-dire que les modules. Ces modules-là ne fonctionnent que sur 2.4. Si vous avez un Wi-Fi intelligent, c'est-à-dire le Wi-Fi intelligent, c'est celui qui vous fait basculer automatiquement du 2.4 au 5 ou du 5 au 2.4, tout seul. Euh, or, ça, ça peut gêner les modules. Donc, il faut désactiver le Wi-Fi intelligent la plupart du temps. Des fois, ça fonctionne, mais moi, pour ma part, ça ne fonctionne jamais si le Wi-Fi intelligent est activé. Donc, il faut désactiver ce Wi-Fi intelligent, c'est-à-dire la bascule automatique. Pour ça, si vous avez une box Bouygues, SFR, Orange, il suffit de chercher un peu sur Google ou tout simplement de les contacter et très simplement ils vous indiqueront comment le désactiver et le réactiver ensuite. Voilà. Maintenant vous pouvez essayer sans, mais une fois qu'on a lancé l'installation, qu'on commence à voir le module, etc., souvent ça met un petit peu la zone quand on le rate. Donc pour plus de sûreté, on désactive le 5Go carrément le 5 go ou le wifi intelligent, et on ne prend que le 2.4. Voilà. Donc là, ben, moi, mon SSID, c'est-à-dire le nom de mon wifi qui s'appelle test, et mon mot de passe, voilà, Azerty 455. Donc fait ensuite, je fais next, un bateau. Là, il me demande de choisir de le test test module. Que Donc là, tests. vous, vous choisirez le 1, le, celui que je vous ai montré à l'instant. Moi, vu que pour l'installation, pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est un plus. PM que j'installe, donc je vais sélectionner celui-ci. Et donc là, il est en train de lier le module au Wi-Fi. Donc il trouve le module chez Li, on fait rejoindre. Et donc là, il est en train d'installer le module sur notre Wi-Fi. Ok donc voilà le module est ajouté maintenant à notre wifi donc maintenant ce module on va lui donner un nom donc le device moi je vais l'appeler plus 1 PM voilà c'est juste le nom du module parce que celui-ci je, je l'installe pas pour le moment c'est juste pour vous montrer l'inclusion d'un module donc ensuite je fais next alors vous évidemment vous allez pouvoir l'appeler euh, cumulus euh, contacteur cruiser plane enfin vous lui donnez donnez le nom que vous voulez pour vous repérer, bien entendu. On fait next. Là, ensuite, il va demander dans quelle pièce vous voulez l'ajouter. Donc, si vous n'avez aucune pièce, moi j'ai cellier. Si vous n'avez aucune pièce, voilà, vous allez pouvoir euh, rajouter une pièce. Donc, moi, je vais choisir le cellier. On fait next. Là, il demande si je veux mettre une image. Je m'en fiche. Je laisse l'image par défaut qui me donne. On s'en fiche. Si vous voulez aller chercher une image, vous pouvez faire upload image. Et il vous demande où est-ce que vous voulez chercher une image, etc. Moi bon, en l'occurrence, là je laisse celle-ci par défaut. Je fais donc ensuite Down, Down, pardon. Et voilà. Et donc normalement, je retrouve mon module en bas, tout en bas, qui est en train de se connecter. Il va certainement demander. Une mise à jour du firmware ça c'est quasiment il fait ça quasiment à chaque fois donc vous voyez ça peut être un petit peu long ne vous inquiétez pas euh, c'est normal voilà ça peut durer un petit peu de temps euh, maintenant vous voyez qu'à côté du module vous avez le petit nuage pour dire que le cloud est activé et vous avez les deux petites flèches qui tournent euh, donc ça veut dire qu'il y a une mise à jour à faire tout en bas vous avez update donc, avant de faire quoi que ce soit, eh bien on ne on le débranche surtout pas le module, bien entendu, et on fait update. Voilà, il dit bien que de ne pas débrancher, pas de coupure de courant, parce qu'évidemment, ça, ça flash le firmware du module. Donc là, la moindre, le moindre problème, c'est cuit. Donc, surtout, on ne débranche pas, on ne touche à rien, on fait update et on attend qu'il ait terminé. Ça peut durer plusieurs minutes. Et ça, c'est quasiment avec tous les modules. Quasiment tous les modules de Shelly que vous allez installer, ils sont rarement à jour, donc du coup, il faut faire la mise à jour. Et ça peut mettre beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, tout dépend un petit peu. Voilà. On va le laisser faire et on va attendre qu'il revienne. Voilà, ça y est, le, le firmware est mis à jour. Donc là, ça a duré quand même le temps qu'il a redémarré plusieurs fois. Ça a bien duré six grosses minutes, voilà. Donc je vous aurais passé ça parce que c'est un peu long. Il faut bien attendre, surtout ne pas le débrancher, ne pas déconnecter le Wi-Fi. Il faut être patient. Et là, il revient, voilà. Là, il est revenu à l'affichage. Donc là maintenant, si j'appuie, il s'allume. Et là, il s'éteint. Voilà. Donc une fois que le module est connecté, maintenant je vous montre pour faire une scène. Donc là, en l'occurrence. Je vais rebrancher le Shelly 1, puisque c'est lui qui nous intéresse. Là, c'était juste pour vous montrer comment inclure un, un module. Donc, je, je coupe, je débranche le module 1PM, et je branche le Shelly 1 qui nous intéresse. Donc, le module est de retour. Je l'entends claquer. Voilà. OK, donc c'est parti. Donc, vous voyez, sur le côté droit... Il y a deux scènes que j'ai déjà créées pour test. Donc je vais les supprimer. On va les supprimer ensemble. Alors pour supprimer, il faut cliquer sur le petit crayon en haut. Ici. Euh, ensuite, on clique sur les poubelles. Les corbeilles. Est-ce qu'on veut les supprimer Yes. Encore la corbeille. Yes. Voilà. Et donc là, ça y est, on n'a plus de scènes. Donc on a les modules ici. Voilà. Et on reclique -re une fois sur le petit crayon pour enlever le, la suppression. Une fois que c'est fait, on va ajouter notre scène. Donc on veut démarrer le module, le contact sec à une heure bien précise. Donc mettons pour mon cas, maintenant j'ai changé par rapport à l'Arson, à, à comment il chauffe le ballon, comment ça se passe actuellement là, donc il est en test. J'ai remarqué qu'il vaut mieux le chauffer. Euh, le plus tôt possible, c'est-à-dire pour reprendre la courbe de chauffe de la journée. Mais bon, ça je vous montrerai dans une autre vidéo pour euh, bientôt, d'ailleurs, euh, ça devrait être euh, semaine prochaine normalement, où je vous montre euh, un petit peu les chiffres et ce que donne l'arsen comparé au PVMate, et surtout euh, comment ça fonctionne chez moi. Donc là en l'occurrence, nous ce qu'on veut c'est déclencher à une heure les, la chauffe du ballon, donc heure creuse. Et l'arrêter ensuite. Donc c'est simple, on va sur scène, on fait add pour ajouter. Là on met le nom de sa scène, donc je, on, va mettre, euh, on va mettre start cumulus. Ok, ensuite on fait next. Dans quelle pièce on va mettre cette, cette scène Moi je mets tout dans le cellier, voilà, vous pouvez mettre d'autres scènes. Ça, ça à vous de voir. D'autres pièces, ça à vous de voir. Moi, je remets dans le cellier. Je fais ensuite Next. Là, il demande si on veut prendre une image pour cette scène, spécifique pour cette scène. On peut en ajouter des images. Ça, Je trouve ça un peu. Après, si vraiment vous voulez vous faire une vraie dom, une vraie domotique, euh, je ne pense pas que vous irez sur, sur l'application Shelly. Je pense que vous passerez plus facilement sur euh, Home Assistant ou autre choses comme ça. Mais là, pour un module, pour déclencher. Voilà, ça fait bien l'affaire. Donc moi, on va prendre le voilà le fauteuil jaune next. Et là, on est dans l'interface pour créer la scène. Alors, qu'est-ce qu'on veut Quand Donc when Quand On ajoute une condition. La condition, ça va être sur la base de temps. Donc on met donc c'est en anglais par contre, ça c'est le problème, mais c'est assez simple. Si vous suivez le tuto, c'est assez simple. Donc on va se baser sur le temps. On va sélectionner, voilà, sur Daily, Weekly, excusez mon anglais, en tous les cas, on prend le deuxi le deuxième, euh, la deuxième option. Là, on sélectionne les jours, donc ben, pour le coup, c'est toute la semaine. Ensuite, l'heure de démarrage. Alors, moi, pour le coup, mon heure de démarrage pour euh, mes heures creuses, c'est 22h20. Mais. Euh, ça arrive que ça se déclenche plus tard, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, euh, ce n'est pas la minute près ni ou 10 minutes près. Donc, moi, je vais mettre 22h30. Comme ça, je suis sûr et certain que les heures creuses sont bien enclenchées. Voilà. Donc, départ 22h30. Je fais Save, condition, pour enregistrer la condition. Donc, déjà, je veux que cette scène démarre tous les jours à 22h30. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait On va sur DOU au milieu. On ajoute une action. On fait Select. Là, évidemment, on va prendre un Device. Donc, Device Action. On choisit notre Device dans la pièce C'est Et le Device, nous, c'est le Shelly 1. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse à ce ci On veut qu'il démarre. Donc, Tourne On. On ne met pas de délai. De démarrage, c'est-à-dire que là, si dans les secondes je rajoutais euh, 10 secondes, eh bien, euh, à partir du moment où la scène lance l'action, ça attendra 10 secondes à démarrer le, le Shelly. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'intérêt, donc on laisse 0 et on fait juste save action. Voilà. Donc maintenant, si on fait une récap, à 22h30, on démarre le module Shelly 1. Et ensuite on valide. Donc là notre scène elle est créée et voyez que vous avez un petit rond bleu autour. Ça veut dire que la scène est activée. Si vous appuyez dessus, ça l'éteint. Il faut bien entendu que le rond soit bleu autour pour que la scène soit active. Voilà. Et le, le petit vert, euh, le petit euh, icône verte en dessous. C'est pour lancer la scène, c'est-à-dire que si vous voulez que le démarrer manuellement, vous pouvez cliquer là-dessus aussi et ça fera partir directement l'action de démarrer le, le cumulus sans attendre 22h30 comme l'heure qu'on a mis. Donc là voilà, la première scène, le démarrage, c'est fait. Maintenant, on veut l'arrêter. Donc on fait une autre scène. Là, on va mettre stop cumulus next on met toujours dans le cellier. Next. Là, cette fois-ci, on va prendre le canapé. Peu importe. Next. OK. Et là, exactement pareil. Nous allons faire ajouter une condition sur la base du temps. Toute la semaine. On choisit toute la semaine. Alors, après, maintenant, ça va être selon vos habitudes. Si vous voulez que ça soit tous les deux jours, bien, vous cochez. Ben, tout, tous les deux jours. Si c'est vraiment là, je vous indique juste comment faire pour créer l'action. Et après, ça va être avec vos habitudes, vos heures creuses, les temps où vous voulez le faire chauffer, que vous allez pouvoir jouer sur l'activation et la désactivation. Donc là, moi je veux qu'il fonctionne 4 heures. Donc je l'ai mis à 22h30. Je veux qu'il s'arrête donc à 2h30 du matin. Alors, je mets 4 heures, vous pouvez mettre 2 heures, vous, vraiment, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Voilà, 2h30, j'enregistre. Qu'est-ce que je veux qui se passe à 2h30 J'ajoute une action, je choisis Device Action, un device qui est dans le cellier, lequel device, le chez Lien, et là, je fais Turn Off. Et je valide. Voilà. Donc là, nous avons, et j'enregistre, je, donc là, nous avons nos deux scènes qui sont actives. Et donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où vous aurez branché H1 et H2 sur la borne 0 et 1 du module Shelly, vous aurez les scènes qui vont fonctionner, qui vont activer donc le, 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 euh, la marche forcée en heure creuse de l'Arsen qui va activer le ballon et ensuite, ça viendra s'arrêter. Alors, nous revoilà devant le boîtier Arson, bon, le fameux, euh, donc là, ça fait pas 15 jours, ou si ça fait 15 jours, mais enfin, voilà, c'est vraiment formidable ce qu'il arrive à faire, je suis, voilà, vous le verrez la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, normalement, mais euh, là, que du positif, en attendant, bon, là, je l'ai rouvert pour vous montrer, donc, le module Shelly, Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce module Une fois qu'on l'a paramétré, comme on vient de voir, sur les bornes 1 et 0, nous mettons un fil qui va sur, ah bien entendu, éteint. Vous coupez l'électricité. Ça va de soi, je veux dire, la plupart des gens vont dire, ben oui, bien sûr, mais euh, voilà, je préfère le préciser, on ne sait jamais. On coupe l'électricité avant de faire quoi que ce soit dans le boîtier. Donc là, on prend un fil du 1.5 même. La section n'est pas hyper importante parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'intensité qui passe dedans. Moi, j'ai pris du 1.5 souple comme ça, tout simplement, hein, d'un câble électrique de base. Voilà. Euh, la, la même que pour l'alimentation, en fait. Donc, j'ai branché le ce bornier H1, H2. Peu importe le sens, il n'y a pas de sens dans le 0 et le 1. Donc, le 1 ici, le 0 à côté, voilà. Donc directement, les deux fils partent de là et vont dans H1H2. Le fil descend et il va ici. Donc ici, j'ai une cage comme ceci. Voilà, ça c'est très pratique. Alors je reprends le module. Donc il va dans une cage dans le mur comme ceci. Donc un trou en 67, enfin du standard de prise électrique, une cage électrique standard. Et en fait, le module il rentre dedans, comme ceci, hop, vous mettez votre module, comme ça, voilà, dedans, tout simplement, donc pour l'alimentation, eh évidemment, il faut avoir une alimentation à portée, donc moi, au-dessus, mais ça, je vous avais montré dans la vidéo euh, auparavant, l'installation de l'Arsen, donc je ne vais pas tout vous expliquer, mais évidemment, il faut avoir une alimentation euh, qui arrive aussi dans cette cage-là, voilà, donc ça, c'est une solution, si vous avez, euh, si vous êtes un peu dans mon cas, ben, vous faites un trou, vous le mettez, vous, arrivez une vous faites arriver une alimentation, vous mettez le module dedans, moi le fil ressort ici, là, et il remonte, voilà. Alors l'autre côté, c'est parce que je fais passer en même temps la sonde qui vient de mon tableau électrique, la sonde ampère métrique, ça c'est autre chose, mais en attendant, voilà, le fil qui est là, hop, il descend, il rentre là, et en fait au bout, eh bien, il y a un module comme ça, hop, qui est dedans, Voilà. Donc c'est comme ça que, ça que ça fonctionne. Donc on a parlé de cette boîte. Si vous êtes comme dans, dans mon cas, comme, comme chez moi, moi ça c'était plus simple. Maintenant, il est possible que vous ayez juste besoin de le mettre dans le tableau électrique. Donc dans le tableau électrique, vous avez ce genre de, de boîte. Alors chez euh, Lee en vent, c'est des trucs imprimés aussi. Si vous avez une imprimante, franchement, euh, voilà, imprimez-vous-le. Euh, je vous mettrai dans la description. Euh, Celui-ci, je l'ai modifié pour que pour qu'il s'accroche mieux, en fait, on va dire. Voilà, enfin je l'ai modifié. Je vous le mettrai dans la description. Ça, vous l'imprimez et vous le mettez dans votre tableau en, dans le rail. Donc dessous, il claque, ça, ça, ça se clipse grâce à ça pour pouvoir l'enlever. Et puis voilà, comme ça il est dans le tableau et vous le connectez dans le tableau, euh, tout pareil. Voilà, ça c'est une autre solution euh, que peut-être euh, beaucoup d'entre vous vont choisir parce que ça permet de le mettre à côté du tableau. Voilà. Donc j'en eh ai fini avec euh, cette description de, pour les modules Shelly, enfin le module Shelly. Voilà, et pour faire une scène, euh, donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout, c'est même très très simple. Il euh, faut faire toujours attention, bien entendu, de couper l'électricité, de ne pas prendre l'électricité, de ne pas inverser les phases, le et la phase, comme j'expliquais en début de vidéo. C'est important, mais en attendant, c'est pas très difficile et c'est fonctionnel. Donc voilà. Pour finir, un petit mot sur le routeur Arson. Donc euh, j'en suis toujours très très content. Euh, ça fonctionne très très bien. Alors, moi, ce n'est pas un module Shelly que j'ai mis, c'est un module Fibaro. Mais bon, je ne vais pas refaire ma vidéo que j'ai déjà faite. Donc, n'hésitez pas à regarder ma vidéo euh, précédente. Euh, j'ai tout expliqué comment j'ai fait fonctionner euh, euh, mon Heure Creuse et, et le, le boîtier Arson. Euh, mais en attendant, c'est le même principe qu'avec le Shelly. Voilà. Le Shelly 1, c'est vraiment la base de la base. Le plus simple, le moins cher. Enfin, le moins cher le moins cher du plus simple, on va dire ça comme ça, parce qu'effectivement il y a possibilité de faire moins cher, mais par contre ben là il faut bidouiller un peu plus alors que là le boîtier il est tout fait, tout programmé, tout paramétré, enfin vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire pour le faire fonctionner. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider, en tous les cas je sais que beaucoup de monde me l'avait demandé et, et attendez ce, cette, cette vidéo, j'espère que ça va répondre aux attentes, n'hésitez pas à me les poser des questions, à me laisser des messages. J'y répondrai, en tout cas j'y réponds tout le temps. Et, euh, et donc euh, là j'en termine, elle devient un peu trop longue cette vidéo, donc je vous dis merci à vous encore euh, d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et je vous dis à très bientôt.